Salut les gars, c'est les conneries rugbystiques. Donc aujourd'hui, on est où? On est à Paris. On se balade et on va dans les boutiques FMR pour voir un petit peu ce qu'il y a. Donc le programme d'aujourd'hui, c'est vraiment, on va regarder les produits dérivés de la Coupe du Monde de rugby 2023 en France. Donc ça va être essentiellement des porte-clés, des maillots, voire des ballons. Donc, on va regarder ça ensemble et on va vous montrer le contenu des images qui vont être sympas à regarder. On va regarder un petit peu ce qu'il y a, ce qu'on peut trouver de chouette. Et puis voilà. Bon, bah, allez, on vous laisse à la vidéo. À tout de suite. Bonne vidéo. Force. Donc. Ouais, c'est bon. Donc, bah voilà. Donc là, on arrive avec notre cher ami. Évidemment, donc voilà, la belle boutique officielle. Bon les gars, on est de retour. Ouais, on est de retour. Donc après cette belle balade dans Paris, nous avons amené pas mal de choses. Bah on n'est pas revenu les mains vides puisque on est venu avec les nouveaux maillots de l'équipe de France qui vont jouer avec ce maillot justement pour la Coupe du Monde. Ce petit logo très sympa, très sympathique. On n'en trouvait pas du coup dans des autres magasins comme le Coq Sportif. C'est ça. Les autres magasins comme Cosport, Decathlon, mais c'était vraiment dans la boutique officielle de la Coupe du Monde, puisqu'il est totalement éphémère. Donc ça veut dire que c'est juste pour un temps, mais vraiment pour la bonne occasion de la Coupe du Monde. Donc ça veut dire qu'après, à l'issue de la compétition, il n'existera plus. Et puis bah voilà, on s'est procuré les deux maillots. Alors, les deux maillots. Ensuite, donc, je commence. Bien sûr, vas-y. Donc, ce petit polo magnifique. Donc, avec le logo de la Coupe du Monde et France 2023. Très joli. Pour les troisièmes mi-temps, le petit décapsuleur Coupe du Monde. Donc, voilà. Donc, pour l'accessoire. C'est quelque chose d'indispensable pour les troisièmes mi-temps. Parce que pour les petites bouteilles de bière, il faudra un peu de force et surtout avec la Coupe du Monde. Le petit, donc, c'est un. Petit porte-clés, donc marqué Rugby World Cup France 2023, donc porte-clés gravé, comme vous le voyez, avec derrière le logo français de la Coupe du Monde. Et pour finir, ce magnifique poster, donc magnifique, très très beau, donc allez le 15, avec donc les joueurs en c'est quoi, c'est de la pastel ou voilà? Ouais. Après, c'est vraiment l'affiche, franchement, j'aime beaucoup parce que ça montre vraiment l'étendue de en tout cas la profondeur de cette équipe de France qui montre que là, c'est une belle équipe et qu'on a les joueurs emblématiques qui sont dessus. Et ça pourrait être une petite idée aussi pour mettre en arrière-plan pour nos vidéos, je sais pas. C'est ça, on verra. On verra bien en tout cas dans les prochaines vidéos, mais. En tout cas, c'est vraiment sympathique. Qu'as-tu trouvé, toi? Alors, moi, je me suis dit que pour faire des drops, quoi de mieux que de me procurer le ballon officiel de la Coupe du Monde. Très joli ballon. Justement, le groupe dont je vous ai parlé, même sur le maillot et aussi sur le ballon. Donc, c'est le ballon officiel que les équipes internationales vont jouer durant cette Coupe du Monde. Ils vont utiliser, surtout. Et puis aussi, je me suis dit, encore un ballon, mais...
en porte-clés. Ça, c'est aussi le ballon officiel, mais en porte-clés, que j'ai trouvé sympathique aussi. Et puis, un dernier porte-clés, effectivement, c'est la Coupe du Monde avec. Donc, j'espère que Antoine Dupont et ses coéquipiers, bah, ils vont en trouver. La version XXL. La version XXL et le trophée Webelis qui est tant convoité par les équipes actuelles. Et puis, bah, j'ai eu la même idée qu'Arthur, un petit décapsuleur pour les troisième mi-temps. Je trouve que c'est assez sympathique. On était d'accord là-dessus, quoi. Au moins, on n'a pas de dispute à se faire. C'est ça. Donc, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Nouvelles vidéos. Donc, on va plus se concentrer sur les vlogs. Les débats, c'était un peu long. Mais en tout cas, on espère que le contenu vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Et puis, bah, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. On vous salue, on vous estime et la bise. Bisous.